reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, bon dimanche à vous. Comme vous êtes en train de le voir, je suis sorti, je viens d'arriver. Vous voyez non? Le soleil matin m'a frappé, mais c'est pas ce qui va m'empêcher de vous dire ce que je dois vous dire là maintenant. C'est urgent. Écoutez très attentivement ce message. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rôle des femmes du diable sur la terre ou bien dans ce monde. Autrement dit, quel est le rôle des sorcières dans ce monde? Et vous serez peut-être surpris par ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Je vais même vous donner des preuves. Écoutez-moi bien. Le rôle des femmes du diable, c'est de livrer les héros de Dieu entre les mains de Satan. Est-ce que vous avez entendu ça? Écoutez vraiment très bien. Le rôle des femmes du diable, c'est de livrer les héros de Dieu entre les mains de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez lire l'histoire de Samson et du rôle qu'a joué cette femme qu'il aimait bien, cette femme qu'il a vue, qu'il appréciait. Les choses sont claires. Cette femme était une envoyée des ennemis de Samson, mais lui, il ne le savait pas encore. Il a aimé, il s'est fié à sa beauté, à la beauté, sa beauté physique, la beauté de son corps, sans savoir que elle était un démon incarné. Elle était envoyée pour chercher à savoir les secrets de cet homme et le livrer entre les mains de ses ennemis, entre les mains du diable. Samson représente l'enfant de Dieu. Oui, Samson représente plus clairement un héros de Dieu. Et cette femme-là représente la femme du diable. C'est une sorcière. Et elle était venue en mission. Et sa mission, c'était de découvrir Samson en long et large, découvrir son secret et l'utiliser contre lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que à l'heure où je vous parle, moi-même, j'ai vécu ça. Je viens de vivre ça tout à l'heure. Regardez, il y a sueur sur moi. Sueur partout. Regardez, ils sont mouillés. Venez m'attraper. Venez me consoler. Venez souffler. Venez me souffler. Mais oui, j'ai vu cela de mes propres yeux. Et oui. Écoutez vraiment très très bien ce que je vous dis. Je vous dis que le rôle des femmes du diable, c'est de livrer les héros de Dieu entre les mains de Satan. Et ça, c'est pas de la blague. Si vous avez compris ça, c'est que vous allez sauver votre vie. Vous allez sauver votre peau. Ouais. Vous allez sauver votre peau, quoi. Parce que c'est ça. Quand ces femmes sorcières, quand ces sorcières, quand elles entrent dans votre vie, c'est pour vous détruire. C'est pour vous éloigner de Dieu. Regardez un peu Salomon, ce qui s'est passé à Salomon. Le gars, il était un roi très sage et intelligent, mais il aimait trop go. Il aimait trop femme. C'est ce qui même a soulevé la colère de Dieu contre lui.
à cause des femmes. Il allait offrir des sacrifices à d'autres dieux, c'est-à-dire aux dieux que servent ces femmes. N'est-ce pas ça l'histoire? Est-ce que ça plu à Dieu? Non. Est-ce que ça plu à Dieu? Non. Ça veut dire que là, elle a dévié le héros de Dieu, du chemin de Dieu, pour un autre chemin, qui est forcément le chemin du diable. Et c'est très facile pour elle de le faire, surtout quand elle découvre que vous l'aimez. Si elle découvre que vous l'aimez vraiment, au point où vous n'avez pas découvert qu'elle est une sorcière, vraiment, vous êtes cuit dans la sauce. Elle va vous conduire vers Satan. Elle va vous éloigner de la volonté de Dieu. À cause d'elle, vous allez vous mettre à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous allez vous mettre à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et vous risquez de rencontrer la mort dans ça. Parce que son objectif final, c'est de vous tuer. C'est de vous exterminer. Le saviez-vous? Et de telles personnes s'existent vraiment sur la terre. C'est ce genre de personnes qu'on appelle ici les sorcières. Et les sorcières font la même chose. Et qu'est-ce qu'elles font? Si vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu vous parle beaucoup en songe, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont écouter les esprits. Ce que les esprits vont leur communiquer sur ce que vous avez vu en songe, afin de pouvoir marcher là-dessus et vous faire croire qu'elles sont dans la révélation. Ça veut dire quoi? À l'église, quand tu parles et puis quelqu'un approuve ce que tu dis là, qu'est-ce que la personne dit? La personne dit, oh, tu es dans la révélation. Donc, elles aussi, elles vont chercher à être dans la révélation. Dès que Dieu vous montre un songe sur une femme, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas de femme, et que Dieu vous montre un songe, ou vous vous entendez bien avec une fille dans le songe, vous allez voir que ces sorciers et ces sorcières seront tous au courant. Il dit ces sorciers et les sorcières, pourquoi? Parce que ce sont tous les sorciers du diable qui seront au courant de cela. Et comme ils vous cherchent, comme c'est vous qu'ils combattent le plus, ils vont regarder bien le songe et voir comment trouver une fille qui ressemble nette et claire à la fille que vous avez vue en songe, de sorte que vous puissiez être attiré par elle, croyant que c'est celle que vous avez vue dans vos rêves. Vous voyez, non? Et si vous faites l'erreur d'aller vers elle, vous allez tomber entre les mains du diable, parce qu'une sorcière représente le diable. Moi, j'ai eu un songe aujourd'hui. Voici l'essence même de ce que je suis en train de vous dire. J'ai eu un songe aujourd'hui. Dans mon songe, il y a eu un enfant. Je ne sais pas si c'est une fille ou bien un garçon. Mais cet enfant avait la peau blanche, en commun blanc. Vous voyez, moi, je suis mélangé. Je suis un Africain pur et dur. Mais c'était comme un enfant que je voyais. J'ai vu l'enfant. L'enfant était blanc. Bon. Son image est passée comme un flash. Après, je me suis retrouvé dans une cuisine. Il y avait la nourriture, beaucoup de nourriture. Il y avait ce qu'on appelle le gratin. Est-ce que vous connaissez le gratin? Je vous explique. Quand vous préparez le riz, là, ce qui reste en bas là. En bas, là, le tapis rouge, là, en bas de le... Oh! C'est ça qui était le pain. Et j'avais beaucoup de gratin comme ça. Et moi, ça me plaisait de manger cela. Et j'en ai fait une grande quantité et de bonne qualité. J'ai commencé à manger. Oh, c'était tout. C'était bien. Et j'ai vu maintenant une jeune femme blanche. Elle est arrivée là. Quand je l'ai vue, il dit, hey, c'est comme si je n'ai jamais eu femme dans ma vie. Je l'ai bien accueilli. Elle disait qu'elle voulait boire de l'eau. Il dit, oh, tu veux boire de l'eau? Attends, je vais te donner de l'eau à boire. Oh, tu veux quoi? De l'eau glacée? Ouais, de l'eau. Comment? Vous connaissez garçon, non? Garçon qui a vu jolie femme. Il dit, ah! Et elle essaie de me dire, oh, tu manges du gratin, mais attends, voici du pain avec de l'omelette. Au milieu, tu peux manger ça aussi, c'est bien. Et c'est comme ça, ça s'est passé bien. Après ça, Voilà.
Après ça, je me suis réveillé et j'ai commencé à voir les sorciers autour, essayer de faire la même chose comme ce qu'il y a vu en son. J'ai dit, ah, je joue là, je vous connais. Forcément, vous allez imiter ça. Et que ça s'arrêta là. Mais, ha, je m'étais vraiment trompé. C'était comme ne pas connaître le diable. J'étais là tranquillement. Et je suis sorti. Je sors, je fais faire les balades, mais déjà, sur la route, c'est là le combat spirituel va commencer. Qu'est-ce que je vois? Je vois une fille, toutes les filles que j'ai vues là, toutes elles ont commencé à me regarder dans les yeux comme ça. Comme si elles voulaient que nos regards se croisent et qu'il y ait étincelle. Ou bien, comment on appelle ça? Le coup de foudre. Je dis, hein? Vous les sorcières, je vous connais très bien. Vous avez menti aujourd'hui là. Écoutez-moi bien, vous les sorcières là. Vous, si vous regardez la vidéo, je vous dis aujourd'hui, vous avez menti aujourd'hui. Et puis vous avez menti demain. Je vous regarde. Je vous regarde. Je vois un homme, je vois elle veut créer une histoire de coup de foudre. Je vois la fille dans les yeux, tu dis, vas-y, coup de foudre, vas-y, la femme de ma vie. Jamais. Elle a fait exactement comme moi. Elle a mis quelque chose sur sa tête, genre une serviette pour se protéger de la chaleur et tout ça. Genre, toutes les questions sont venues, mais moi, je m'en fous, hein. J'ai gagné temps. Il y avait un objectif bien tracé. Il fallait que cet objectif soit atteint, sinon, je ne serais pas content. Tant que ce n'est pas atteint, il regarde ni à gauche, ni à droite, il fonce seulement. Moi, c'est quoi tout fonctionne dans ma tête? Il fonce seulement. C'est quoi, c'est? Et j'ai vu plein d'autres filles. Maintenant que l'objectif a été atteint, je revenais tranquillement. Et voici que je vais voir une sorcière apparaître comme un éclair. Devant moi. Je dis, hein? Quel chat! Fallait voir comment elle était. Une go claire. 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 Je l'ai regardé jusqu'à. Il a dit, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. C'est le diable qui est derrière toi. Pourquoi hier tu n'es pas venu et puis aujourd'hui tu viens? Très bonne question. Pourquoi hier n'est pas venu et puis aujourd'hui elle vient? Pourquoi? Pourquoi? Dès que vous venez de faire d'avoir le songe, ah maintenant elle apparaît. Dès que vous venez d'avoir le songe, ah maintenant elle apparaît. Genre, juste comme ça. Est-ce une coïncidence? Et c'est là qu'il a profité de cette belle opportunité pour vous dire que ce n'est pas une coïncidence. Ça ne peut pas être une coïncidence aujourd'hui. Ça ne peut pas être une coïncidence demain. Je sais que c'est une sorcière qui est là. Et elle était venue pour attaquer. Elle était venue pour séduire. Elle était venue pour prendre la place de la jolie femme avec qui je m'entendais bien en songe là. Elle était venue pour prendre sa place dans la vie réelle. C'est-à-dire une sorcière vient pour prendre la place de la fille là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que Dieu dit qu'il va vous envoyer une voiture demain, ce que ces sorciers ont fait, c'est qu'ils seront les premiers à venir vous donner la voiture. Ils seront les premiers à venir vous présenter une voiture d'avance. Afin que vous croyez que c'est Dieu qui vous envoie la voiture. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu vous envoie. Ils font ça pour vous distraire. Ou pour vous faire détourner du chemin de Dieu. Et pour vous conduire vers la mort. La voiture qu'ils vont vous donner, ça va faire accident devant. Ne prenez pas. Hein? Ne prenez pas. La voiture qu'ils vont vous donner, ça va faire accident devant. Hein? Ça ne va même pas vous envoyer vous-même. Laissez, attendez le temps de Dieu. Quand Dieu va vous donner la voiture, vous allez savoir que c'est Dieu qui vous envoie. Et il y aura une succession de difficultés. En tout cas, vous allez savoir que vraiment ça, c'est de la difficulté, vous l'avez eu. Mais les choses faciles comme ça, les choses faciles comme ça. Dès que tu vois une fille claire dans ton sommeil, à même temps, le matin, tu te dis, voici les filles claires qui commencent à défiler devant toi, et puis elles commencent à se cacher, 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 cacher. Tchè! Tchè! C'est que j'ai une sorcellerie, dit ça. J'ai regardé ça, je me suis dit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ici sur ce point. Il faut que je vienne vous parler sérieusement ce matin. Il y a des démons derrière, dehors là-bas. Il y a des démons dehors. Déguisés en jolie fille, en jolie femme. Méfiez-vous d'elle. Si tu viens sortir de ton sommeil, tu vois un truc. Et le matin, tu vois la chose se matérialiser en des personnes.
que tu connais ou que tu ne connais, tu ne connais pas. Méfie-toi. Ce sont les anges du diable. Faites attention. Faites attention, les enfants d'Aïssa. Oui, je suis pas tellement en forme, mais je fais une fois quand même pour faire la vidéo, pour vous parler. Il le faut. Retenez très bien ceci. Leur objectif, c'est de livrer le héros de Dieu entre les mains de Satan. C'est-à-dire que ce genre de choses, ce genre de femmes, quand vous les prenez, que vous les mettez dans votre vie, elles ne vont rien vous apporter de bon. Si ce n'est que des problèmes. Si ce sont que des choses qui ne vont pas vous permettre de réaliser. Alors elles, vous ne pouvez pas construire. Parce qu'elles sont là pour détruire. Et ce qui est mauvais dans ça, c'est qu'elles s'en foutent de leur corps. Elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout. Ça dit quoi? Ça dit qu'elles peuvent même vous livrer leur corps. Elles peuvent vous donner leur corps et elles s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est comment elle va vous tuer après que vous ayez profité de son corps. C'est tout ce qu'elle a dans sa tête. C'est là que vous allez comprendre que aujourd'hui, là, c'est pas n'importe quelle fille en couche. Hein. C'est pas n'importe quelle fille en bas. Hein. Le monde est compliqué. Voici ce que j'aimerais vous dire d'abord pour commencer. Si Dieu me donne la force, je ferai la prochaine vidéo. Vraiment, soyez prudents les hommes. Et la chose la plus grave dans ça, c'est que si vous faites l'erreur d'avoir un enfant avec cette fille, vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, hein, l'enfant qui va sortir, ça sera un sorcier. Un sorcier pur et simple. Et cet enfant va tellement vous combattre dans votre vie hein, que vous allez dire, mais ah, pourquoi est-ce que vous allez envoyer au monde même? Est-ce que c'est votre propre enfant? Donc vous allez aller faire thèse ADN, ce sera votre propre enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant sera venu, cet enfant va venir dans ce monde pour vous détruire. Voici pourquoi il faut faire très attention à ne pas choisir une sorcière. Une sorcière. Ah. Danger. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi toutes vos questions et priez pour moi. Pour que Dieu me redonne la force. Parce que je suis en train de me relever un peu petit à petit, ok? Voilà. Priez pour moi aussi. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouvent nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Application Nuance Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.